Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours à Nancy sur le forum Bois Construction et nous allons avec mon invité Monsieur Bernard Blanc. Bernard Blanc, bonjour. Prenez le micro. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Aquitanis, un maître d'ouvrage. Et avec vous, on va parler de l'intérêt pour le maître d'ouvrage et en logement social de travailler avec le bois. Et vous êtes vraiment un défenseur du bois. Mais avant, je vais vous demander de nous faire une petite présentation d'Aquitanis. Alors, Aquitanis est un bailleur social présent sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Implanté historiquement depuis une centaine d'années sur la métropole bordelaise. C'est aujourd'hui un gros opérateur. On a plus de 20 000 logements en patrimoine et on construit un peu plus d'un millier de logements par an. Et nous sommes l'aménageur urbain le plus important de la région. Donc on a une puissance de frappe sur le territoire extrêmement importante et on a une empreinte écologique extrêmement importante aussi. Donc, y aurait-il un rapport avec la construction bois et l'empreinte écologique ? Eh oui, parce qu'on met, nous, bon an, mal an, à peu près dans le développement de notre patrimoine ou sa réhabilitation, on met 150 millions tous les ans sur le marché des entreprises du bâtiment. Et jusqu'à présent, exclusivement avec des entreprises des filières traditionnelles, en particulier le béton. Et en même temps, nous sommes engagés dans le mouvement de la transition. On est leader en France de la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, on a dit qu'il faut quand même qu'on scoltine avec cette question de l'empreinte écologique de notre bâtiment, voilà. de nos bâtiments. Et l'idée, hein, c'est de basculer, on va dire, de plus possible vers des modes constructifs bois. Alors, c'est de basculer vers d'autres systèmes constructifs. On a commencé avec le bois parce que c'est celui qui apparaît le plus évident pour construire, puisqu'on construit en bois depuis quelques milliers d'années quand même. Et donc ça nous semblait absolument indispensable de démarrer par là. Mais on voit que nous, dans notre voyage, on va retrouver d'autres matériaux. Et par exemple, on va retrouver l'argile et on va retrouver une capacité de produire en briques de terre crue, en paille, etc. Donc on va se saisir de notre savoir-faire développé depuis une quinzaine d'années au travers du bois, mais en ne s'interdisant pas de trouver d'autres matériaux et petit à petit se dire que là-dedans, la place du béton doit petit à petit s'effacer. S'effacer par d'autres modes constructifs. Et vous allez même très loin puisque vous développez vous-même votre propre mode constructif en bois. Ouais, parce qu'on s'est rendu compte que dans notre environnement, nous avons des industriels qui produisent de la construction bois. Mais ils ont un modèle très fermé qui, essentiellement en France, permet de faire de la maison individuelle et qui ne nous permettait pas, nous, de faire l'architecture qu'on souhaitait, parce qu'on est aussi un opérateur qui est reconnu pour sa qualité architecturale. Et là, ces modèles-là, de ces industriels-là... Ne répondaient pas à ce besoin de qualité architecturale. Ils ne nous donnaient pas cette souplesse-là. Ils ne permettaient pas à nos architectes de s'exprimer. Et donc, on a décidé de créer nous-mêmes notre propre système constructif. Il ressemble à quoi ce système constructif? Qu'est-ce qu'il a de différent? Qu'est-ce qui vous permet d'aller un peu plus loin avec lui? Alors, il avait fallu qu'on retrouve le nombre d'or et le Saint Graal, qui est la mesure qui permet à un industriel, effectivement, d'avoir un engagement de ses machines avec une productivité élevée. Donc, on a retrouvé à un moment donné que le module carré était la bonne réponse et que si on le tenait dans sa fabrication, il suffisait ensuite de le dupliquer en pièces humides, en pièces extérieures, etc. Donc en lui donnant toutes les fonctions. Et un logement, par exemple, dans notre système modulaire Sylvania, c'est une composition faite avec 5 ou 6 modules, mais qui ont strictement la même trame. Et donc l'industriel est assuré de pouvoir, avec ces machines à commande numérique, avoir toujours les mêmes mesures. On travaille avec des modules, et ces modules, on va aller les suivant le... Ils sont suffisants, vous en avez suffisamment, pour pouvoir apporter cette qualité architecturale et répondre à tout. On va composer avec la jonction de plusieurs modules une typologie, un T2, un T3 jusqu'à un T6, sans aucun problème, par addition de modules. Les modules sont en bois, et donc on a travaillé maintenant avec du CLT, qui vient de la ressource locale qui est du pin des Landes, puisque nous sommes à Bordeaux, à côté du massif forestier des Landes, des pins maritimes landais. Donc on s'approvisionne avec ce bois-là, mais en CLT, parce qu'on ne peut pas l'utiliser en structure, en poteau-poutre.
Voilà. Et avec ça, après, on met la vêture autour que l'on souhaite. Donc, dans notre démarche Sylvania, les architectes ont le choix de plusieurs vêtures possibles. Voilà, on n'est pas nécessairement du bardage bois, ça peut être aussi des enduits. Ça peut être des enduits, c'est un mariage que les architectes aiment beaucoup réaliser aujourd'hui. Ce système est en train d'évoluer, si j'ai bien compris. Comment le faites-vous ? Vous en êtes à la deuxième génération, c'est ça ? Voilà, donc on a produit plus de 300 logements avec notre premier procédé constructif Sylvania. On fait un retour d'expérience, on analyse ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, et on est en train de finir de créer la deuxième génération qu'on a appelée Sylvaneo, et surtout qui nous permet de prendre en compte maintenant quelque chose que l'on comprend bien sur la métropole bordelaise, qui est la question du confort d'été. Ce qu'on n'avait pas pris en compte dans Sylvania il y a 5 ans de ça. Qu'est-ce qui sera différent alors pour la prise en compte de ce confort d'été, dans le mode constructif d'abord, et puis après on verra l'aspect ventilation. Alors dans le mode constructif, ça veut dire qu'il faut qu'on s'intéresse à produire avec notre système constructif des logements obligatoirement traversants. Les modules doivent avoir suffisamment de souplesse pour avoir des orientations au degré près pour chercher la course du soleil, soit pour en bénéficier, soit pour s'en protéger. Et que le système constructif doit s'intéresser à tous les équipements extérieurs qui vont nous permettre d'avoir des protections, etc. Et étonnamment, le système constructif Sylvaneo va intégrer le paysagement de l'îlot. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Le paysagement de l'îlot. D'accord. C'est-à-dire que si je veux un îlot de fraîcheur, il faut que je mette des arbres autour de mon bâtiment. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas que sur l'enveloppe du bâtiment, que sur son orientation, que sur le logement. On travaille aussi sur l'îlot de chaleur. C'est le principe de la varangue qu'on a dans l'île de la Réunion. Et on a tiré les leçons de ça et on se dit mais notre système constructif doit intégrer cet élargissement de l'habitat à son îlot résidentiel qui doit lui apporter des éléments pour devenir un îlot de fraîcheur. D'accord. Et donc ces bâtiments, avec ce nouveau système, ne seront pas ventilés mécaniquement ? Non, on a suffisamment avancé avec des architectes talentueux et un industriel très pointu. Vous pouvez citer les noms. Hein. Alors, les architectes avec qui on travaille depuis une dizaine d'années sur cette recherche-développement, c'est Atelier Provisoire, qui est une agence, petite agence bordelaise. Et puis l'industriel qui nous accompagne et qui est mis en compétition pour la deuxième génération, c'est Intégral Bois Système, qui est un des rares industriels que nous ayons sur notre territoire et avec qui on a fait toute la recherche-développement de Sylvania. Donc ils vont répondre maintenant à notre nouveau programme et peut-être qu'ils vont gagner, j'espère. Voilà. Donc dans la région bordelaise, bien que Bordeaux soit annoncée comme la ville la plus chaude de France dans les années à venir, c'est peut-être déjà le cas, on n'a pas besoin de ventilation mécanique qui nous permettrait éventuellement d'apporter une petite dose de rafraîchissement dans une maison bois. Nous, c'est la posture qu'on a prise. Alors elle est très critiquable hein, par des bureaux d'études ou par des architectes. On l'a vu tout à l'heure dans l'atelier, ça a un petit peu réagi aux propos de mon collègue sur tout bois, etc. Mais nous, la posture qu'on a prise dans notre démarche de développement durable, c'était de dire on veut être low-tech. Simplement parce qu'on le sait, toutes nos installations techniques aujourd'hui sont fabriquées en Chine à bas coût. Et à faible coût. Et on voit bien qu'on a un très gros problème de mise en œuvre et ensuite d'installation, de maintenance. Et ensuite, on sait que dès qu'on va y incorporer quelques capteurs, on a l'obsolescence programmée qui fait que ce sont des dérèglements annoncés de toutes ces installations. Voilà, donc moins on en met, plus on est sûr que finalement. Donc moi, très naïvement, je me dis s'il n'y en a pas, il n'y a pas de problème. Et donc il faut travailler avec des industriels sur la structure, il faut travailler avec des architectes assez pointus pour se dire est-ce que je peux me passer de ces équipements. Et on va sortir un premier bâtiment à Bordeaux avec l'atelier Philippe Madec d'un bâtiment collectif en bois de 4 niveaux. Il est en construction actuellement, c'est ça ? Il va démarrer. Il va démarrer. Ouais. Sans chauffage et sans ventilation assistée. Alors,
Et on sait qu'avec le bois, on peut y arriver. Et on sait qu'avec le bois, très rapidement, parce qu'on arrive un petit peu au terme de notre échange, comment on arrive à ne plus avoir de chauffage cette fois-ci ? Est-ce que c'est uniquement sur le travail sur l'enveloppe, des apports naturels de chaleur ? Comment, ouais, le travail qu'on fait avec l'ICEB là-dessus, Alain Bornarel accompagne beaucoup nos équipes parce qu'il a une approche très pointue sur ce qu'il appelle, lui, le bâtiment frugal. Et c'est avec lui qu'on a fait le pari de se passer de tous ces équipements sur un premier bâtiment collectif. Je pense que le travail que l'on fait très précisément est sur la ventilation naturelle, donc l'orientation de tous les logements par rapport au vent et à la course du soleil. Et ça, c'est un travail de conception et d'implantation sur un site. Donc il faut aussi que le site le permette. Donc là où nous sommes dans le cœur même de Bordeaux pour réaliser cette opération, toutes les conditions sont réunies pour le faire. Donc on se dit, on y va, on mais on voit bien que nous, moi, c'est une forme de doctrine de l'entreprise de dire qu'on est vraiment sans technologie embarquée. Alors on ne produira pas de bâtiment intelligent ou quoi. Et j'aime bien les mots d'Alain Bornarel de dire le bâtiment, il est bête. C'est l'occupant qui est intelligent. Donc nous, on fait le pari sur l'occupant qui saura régler son habitat. Et son habitat n'est pas une machine. C'est ça notre principe. Maintenant, il faut avoir toutes les compétences pour nous accompagner et réussir ça. Voilà, parce que c'est pas si simple que ça que de ventiler naturellement une maison ou un bâtiment. On voit bien quand les portes se ferment ou les gens bouchent les aérations. On le sait, les cheminées à tirage naturel avec un petit truc autour qui est au-dessus là, qui va tourner, qui va. Voilà, on le connaît. Ça marche des fois, ça marche pas. Bon, il faut qu'on continue à essayer. Et donc, dans ce cadre-là, puis ce sera votre conclusion, on va dire, le bois, lui, vous apporte vraiment... sous toute cette démarche-là que vous avez avec le bois, est-ce que vous auriez pu le faire avec un autre matériau, obtenir ces résultats avec un autre matériau ? Non, pour démarrer, nous, dans notre projet d'entreprise durable, le bois a été le plus facile à attraper. En plus, bon, on est dans un territoire où le bois a été beaucoup utilisé en construction. Il a été oublié, mais il a été énormément utilisé. Donc nous, on revient à des fondamentaux. Et ces lieux, là, sur cette métropole et sur ce territoire, ont accepté, dans la très longue durée de son histoire, la construction en bois. Donc on ne fait que reprendre une très ancienne histoire. Une tradition, vous perdurez, vous poursuivez l'histoire. C'est ça, la durabilité. C'est de reprendre aussi un fil qui a été un peu perdu d'un savoir-faire très ancien. Mais ce qu'on a évoqué en aparté, c'est que ce fil-là, avec le bois, nous amène aussi à regarder la question de la terre. Et on va sortir nos premiers projets en briques de terre crue avec du bois. Et donc on cherche, on n'est pas omnubilé, on n'est pas monomaniaque. Là, vous n'êtes pas monomaniaque, vous vous servez pour ces qualités intrinsèques. Il nous faut des ressources locales et les plus naturelles possibles. Merci beaucoup Bernard Blanc d'être venu nous parler de votre expérience qui est vraiment très intéressante. À retrouver sur notre site, sur Bâti Journal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci beaucoup, à bientôt.